When I first realized I was gay, that I think the most terrifying moment was thinking that there were, you know, potentially only two gay people in the world. Tu sais, je l'accepte bien aujourd'hui, vraiment, mais je pense pas que j'aurai assez long de ma vie pour vraiment l'accepter. Je me suis donné le droit d'aimer un gars, d'aimer quelqu'un du même sexe que moi. Je me suis donné le droit de l'avouer. C'est pas vrai qu'ils vont m'avoir, puis c'est pas vrai qu'ils vont me piler dessus. Fait que je vais me lever debout, puis je vais comme me battre. Moi, personnellement, c'est pas qu'est-ce qui me définit comme personne. Ça définit qui j'aime, la personne avec qui je vais tomber en amour, idéalement avec qui je vais me marier puis avoir des enfants. Moi, j'ai jamais, dans toute ma vie, pensé que j'allais pas avoir telle ou telle chose parce que je suis gay, t'sais. Je me dis pourquoi est-ce que je cacherais le fait que je suis heureuse, t'sais, puis que je suis vraiment épanouie dans ma sexualité. Just prove to people that this isn't something they need to be afraid of. Tu peux pas comprendre si tu sais pas. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est prouver aux autres comme qu'on n'est pas différent.